Dans cet à vous ce mardi 11 avril, Anne-Elisabeth Lemoine accueillait Pierre Richard et Philippe Catherine. L'animatrice a fait de nouveau une énorme gaffe, et elle s'est fait recadrer, la laissant en mauvaise posture. C'est à vous, diffusé sur France 5 et présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, est devenu le rendez-vous incontournable pour plus d'un million de téléspectateurs chaque soir. L'émission qu'elle anime depuis le départ d'Anne-Sophie Lapix en 2017, bat régulièrement des records d'audience. En concurrence directe avec TPMP sur C8 et Quotidien sur TMC, l'émission est un vrai succès pour l'animatrice. Mariée et mère de deux enfants, la présentatrice est aussi populaire pour son tempérament légèrement gaffeur. Il faut dire qu'Anne-Elisabeth Lemoine est habituée aux bourdes en direct, provoquant régulièrement l'hilarité sur le plateau de l'émission. Anne-Elisabeth Lemoine, un tempérament de gaffeuse depuis toujours, une manie qu'elle a conservée depuis ses débuts à la télévision, où elle faisait déjà beaucoup rire Marc-Olivier Fogiel, comme elle l'avait exprimé en début d'année dans Téléstar, « Je le faisais beaucoup rire, je crois qu'il a aimé mon humour, ainsi qu'une certaine forme de malice. » Marco m'a appris à ne pas hésiter à développer ma personnalité dans la façon de traiter l'information. Exister tel que je suis, avec mes coups de gueule ou mes enthousiasmes, sans céder à la rigueur. Ce mardi 11 avril, l'animatrice et son équipe recevaient Pierre Richard et Philippe Catherine en direct sur France 5 à l'occasion de la sortie du film La plus belle pour aller danser, en salle le 19 avril prochain. J'avais dit que je voulais cacher cet élément de surprise et Anne-Elisabeth Lemoine, qui venait d'évoquer la candeur de l'acteur culte de 88 ans, renforcée dans le long métrage dans lequel il donne la réplique à une jeune adolescente de 14 ans, a poursuivi son interview. Si Alfred est aussi complice de la jeune Marie-Luce, si est-il parce qu'il a souffert aussi dans le passé de ne pas être celui que la société voudrait qu'il soit. Il est homosexuel, mais à des années-lumière. Avant de se faire reprendre par Pierre Richard. Je voulais pas le dire. Si est-il dit, si est-il fait, non pas parce que Jen avait honte mais parce que si est-il une surprise dans le film. Oui. Donc j'avais dit que je voulais cacher cet élément de surprise. Est-il comme si vous disiez le nom de l'assassin avant que le film soit sorti. Je ne suis pas un assassin dans le film, a-t-il ironisé finalement, laissant Anne-Elisabeth Lemoine, très gênée, et interdite. À lire aussi pourquoi vous voulez m'humilier. Anne-Elisabeth Lemoine fait une énorme bourde face à Jamel Debbouze dans cette affaire.